make the ground shake. Salut tout le monde, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur la Xbox 360 pour le nouveau jeu du Call of Duty Warfare. Donc c'est parti, je le connais pas du tout. Donc je viens de l'avoir sur Xbox. Donc j'espère qu'il est bien. Pour l'instant je peux pas jouer en ligne. Je vous dis le pourquoi, parce que j'ai pas de code. Il faut un code exprès pour jouer en ligne. Et du coup je l'ai pas, donc du coup je pourrais pas jouer en ligne pour l'instant. Donc faut que je m'en achète un ou pas. Je sais pas, mais je pense que oui, je vais en acheter un. Donc du coup, je vais laisser la petite image là. Et je reprendrai la suite après. Donc si je parle pas, c'est un peu normal. Parce que je laisse les petites vidéos dessus et tout. Pour moi, c'était les Marines. Je m'étais engagé 6 mois auparavant avec mon meilleur ami, Will. On avait été déployés en Corée du Sud, à l'autre bout du monde. On était des frères d'armes. Je pouvais toujours compter sur lui pour veiller sur moi. Allez, Mitchell, ça peut pas être si mal. Je commence seulement à réaliser. C'est pour ça qu'on a signé. Mon vieux était dans les Marines, alors j'ai pas eu vraiment le choix. Ouais. Je suis là à cause de mon père aussi. Pour m'éloigner de lui. Tu pourrais difficilement t'éloigner plus. Ok, ok. On m'écoute. On a nos ordres. Insertion à la Zeta Epsilon. Simple et rapide, comme on vous l'a appris. Tout le monde sait ce qui se passe? Tout le monde sait où aller? Oumba! Tout le monde est prêt? Oumba! On y va! Mitchell, Irons, à vous! C'est parti. Les Nord-Coréens envahissaient Séoul. On devait les repousser. Plus qu'une mission, c'était une initiation. Ah, c'est parti. Ça va être chaud, on est. Accrochez-vous bien. C'est parti. Ok, pas de soucis, je m'accroche. Comme à l'entraînement, Mitchell. 3, 2, 1. Largage. Atterrissage dans 30 secondes. Putain, c'est craint du boudin. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il vient de nous arriver un truc. Il y a pas de soucis. Vous inquiétez pas si je confonds des couches avec genre croix avec X, croix avec A et tout. Parce que moi j'ai l'habitude avec la PS3. Merde. Ah oui, c'est A, L3, c'est gauche. Putain, j'ai l'habitude de cliquer sur A, c'est pour ça. Réinitialisation du point de largage. Merde. Accrochez-vous. Wow. Ça craint quand même. Non. Je sais pas s'il est... Ah non, il est mort. Non, je sais pas s'il est mort. T'as rien de cassé. Mitchell, ouvre la porte. Appuie sur LT et RT pour détacher. Vous détacher.
Et puis c'est RS pour démonter la poutre. Waouh, méchant chute. Escouade Badger, les Nord-Coréens ont envahi la ville et avancent vers votre position. Faites attention aux équipes de tir dans votre secteur. Merci. Pour l'instant, le graphisme est vraiment pas mal. Les gars. Je sais pas, c'est comment vous le trouvez, vous. Dites-moi si vous avez fini le jeu, comment vous l'avez trouvé. Attention. Je ferai la suite, c'est sûr. C'est obligé, je ferai la suite sur... La suite, okay. Le 2. Il faut qu'on descende de là et qu'on rejoigne l'équipe de... Donc, dites-moi comment vous l'avez trouvé, celui, le nouveau Call of Warfare. Si vous l'avez trouvé bien ou pas. Là, je regarde un peu les touches. Que du vide de ce côté. Ok, ça peut exploser. Je vois un endroit sûr par ici. Il va falloir qu'on saute. Préparez vos boosters. Okay. Souvenez-vous, paratout pour contrôler la chute. Jusqu'à pour tomber, tirer sans danger. Est-ce stylé? Ça va? Poste de contrôle devrait être par là. Non, je pourrais descendre. Mmh. D'accord, c'est des mecs avec nous. Contact à 8 heures. Contact, vous êtes qui, vous? Escouade Badger, okay, je sais pas à quoi ça sert. On vient soutenir l'équipe de démolition 1. Ils ont déjà commencé. On a cru que vous y étiez passé. Quelle est leur position? À 2 km au nord-ouest, coordonnées 7-7-5. Ok. Ok, c'est parti mon pote. Pas de soucis, c'est parti. Merci. À la guerre comme à la guerre, ça va être chaud. Attention, la tête. Oh, c'est cool ça. Oh, c'est bien. C'est une araignée, une robot en revue, ouais, c'est ça. On dirait trop à l'eau en fait avec les robots. Ah, je pense qu'on est en Chine vu les écritures. Est-ce que tu lis la grenade? Tire de suppression. Non, laisse un peu à moi. Ah, il y a une croix sur la portière. Yeah, c'est stylé, on peut se protéger avec une tension. Oh, par contre, ça. Je veux quelqu'un sur cette tourelle. Ouais, 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 j'arrive. Je la prends la tourelle, t'inquiète pas. Je sais pas si c'est un bouclier, non, c'était pas un bouclier. Michel, prends la tourelle. Mais ouais, c'est bon, t'inquiète, je vais prendre la tourelle. Utilise cette tourelle, soldat. Ouais, je confonds les touches. Éloignez ces drones de nous. L'IEM a besoin de temps pour se charger. Ils sont trop nombreux. Ils sont là. Je peux pas verrouiller. Putain, c'est chier. Détruisez les drones. IEM à 50%. Je sais pas si ça les détruit ou pas, mais... IEM chargé. C'est la fin des dégâts. Appuyez sur un pour utiliser le EM. IEM. Ah, stylé. Bon, c'est bon, j'ai détruit les drones. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Appuyez sur un pour faire un saut propulseur. Non, il faut sauter par-dessus le camion. Ah, c'est stylé ça quand même. Genre le mec il avait fait de marcher. Eux aussi ils font pareil. Ils ont raison. Ok, on va traverser l'hôtel. Sans aller se coucher, on va pas aller se coucher les gars.
Pour éviter les vidéos soient trop longues, je vais faire une petite coupure. C'est un peu normal, vous inquiétez pas. Donc oui, j'ai fait une petite coupure, je vous disais pour éviter que ça soit trop long et des fois ça c'est long à charger sur YouTube. Donc du coup je fais une petite coupure. Lancer une grenade intelligente. Je vais éviter un peu de parler sinon je vais mourir. Bon, on va arrêter de faire le con parce que j'arrête pas de mourir depuis tout à l'heure. Donc il faut que j'arrête. Sinon bah, je vais faire tout ton con et je vais mourir. Non mais toi t'es pas mort. Ça va, les armes sont vraiment cool. Par contre, ils sont coriaces à mourir. Voilà. J'ai lancé une grenade. Dites-moi à quoi ça sert une petite barre jaune juste à côté de l'arme qu'on voit là. Je sais pas pourquoi il va m'arriver une couille, je vais me faire tuer. Putain, j'arrête pas de mourir, c'est chiant. On va éviter de parler pour le moment, on va juste la fermer. Sinon je vais faire que ça, je vais commencer, recommencer, recommencer. Et je vais mourir sinon. Ouais, je disais, je vais arrêter de parler pour le moment. Vous inquiétez pas si je parle pas parce que c'est. J'ai eu de mourir. Du coup, bah. Je parle pas vraiment. Oh, tiens, on va monter là-haut. Mais non, c'est chaud. Si je peux les avoir d'en haut, on va les avoir d'en haut. C'est pas mal. Voilà, impeccable.
Hop, cadeau. Voilà. Comment c'est fait? Il s'est pas chier pour monter les marches. Il faut qu'on passe de l'autre côté. Préparez vos boosters. Ah bon bah faut qu'on saute comme tout à l'heure. On ne vit qu'une fois. Oh par contre j'ai failli passer. À toi, Michel. Ouais. Bon. Sécurisez-moi ça. On avance un peu. Désolé, c'était un peu trop long tout à l'heure. J'ai arrêté pas de me faire tuer, c'est pour ça que j'ai arrêté de parler. Sinon, j'en ai passé tout le moment là-dessus, c'est dommage. Donc appuyez sur un croix pour tomber. Voilà. Ça va être pas mal là, à mon avis. Je sais pas pourquoi je le sens jamais ce truc là. Je sens qu'il va nous arriver une couille. Voilà. Crève-toi. Putain, il y a des drones. Voilà. Cadeau les copains. En fait, je sais pas à quoi ça sert, c'est la grenade. De... Ah, ça doit être une grenade qui nous montre où ils sont planqués, les gars. C'est la preuve, on le voit derrière le mur. Ouais, ça doit être ça, c'est une arme qui nous dit. Une grenade à peu près qui nous dit où ils sont planqués, les gars. Oh, toi t'es mort. Ah, une... ah non je crois que c'était. Ah oui là. Il y a une caisse de munitions. Je la reconnais avec les sangles. Ok. On va prendre le métro. Petit souci. Lancer une grenade de marquage. Ah c'est ça. Moi je la lance par là. Non là ça affirme où ils sont planqués les gars. Comment ils sont... S'ils sont 30 ou une dizaine ou un 37. Tenez qu'il y a deux. Oh le point qui s'est pris au pied je sais pas quoi. Il s'est pris un méchant coup. Ah il faut monter. Moi je vais pas me faire chier, je vais plus que... Je voyais, il y avait un mec, c'est pour ça que j'y tiens. Ils sont tous morts. Ouais, les graphismes pour l'instant sont vraiment stylés. Bon, il faut ouvrir la barrière. Ouah, c'est quoi ça? Oh l'autre. Équipe d'intervention d'Atlas. Voilà deux. C'est un vrai bordel. Il faut sortir. C'est des cinglés les gars. Bien reçu, bonne chance. En route, venez. Et tu lèves la barrière et tu mens. Je suis Ricky Babo. Will, c'est pas la société. C'est bon, bon cul. Si. Ils ont le meilleur matos, la meilleure paye. Pourquoi t'es... Ils sont pas chers vu qu'ils montent. Ça va tellement plus vite comme ça. T'es mort. On peut se lancer une grenade intelligente. Avant qu'elle pète, je crois que tu me pètes dans la main. Oh, tu viens manger par terre. Voilà, tu monteras pas les marches. Mais toi, t'as cru quoi, toi? Tu sais, t'es en train de bouffer une pizza. Ouais, il me fait peur, con. Je crois que c'était un mec méchant. Ah, il est pas bien, monsieur. Il est en train de faire manier.
Bon, toi, le... moi, je t'ai vu pratiquement le chargeur sur ta gueule. Dans le bras. Oh oui, moi j'ai pas peur, j'ai envie de le chargeur. Hein. Ils sont quand même corniques, hein. Tu leur mets une petite balle, ils meurent pas, et tu leur mets pratiquement le chargeur, hein, ils meurent. Ah, c'est la batterie, c'est marqué. C'est... Ah, c'est ça. Déjà, on peut avoir une batterie sur le arme. Ouais, il y a tout le monde ici. Oh putain, je tire à côté, quelqu'un. Non, non, non. Pourquoi j'ai changé d'arme? Eh merde. Je me marre avec la grenade de la main. C'est ballot, c'est ballot, c'est ballot, lolo. Oh, il n'y a plus qu'à de recommencer. Il n'y a plus qu'à recommencer. Cadeau les copains. De toute façon, ça explose. Monte ta petite tête. Oh l'enfoiré. Il me l'a mise. Il me saoule. Oh, le chis lève en même temps. Et peu con. Le chis est dans le mur. Grenade juste avant de mourir. Merde, il fait un toit. Un plafond plutôt. On va juste attendre, on récupère des vies. Je sais pas où tu sors toi, mais tu sors de quelque part. Je t'ai vu mec, hein. T'as pas besoin de planquer. Il est en train de planquer. Eh, je crois que c'était des marches. Ça tire. Coucou. T'es démonté. D'accord, putain ils sont partout. Tu crois que je l'ai pas vu? Et tu me vois pas, tu me vois pas. Je sais pas si elle explose la voiture. Ah non. Non, je vais voir si en tirant dans la voiture ça faisait quelque chose. Eh, moi je suis planqué derrière mon poteau. Putain mais il court trop vite. Pas possible. Oh, l'autre il a sauté. Oh oh. Oh, et c'est quoi l'arme bazooka? On dirait bazooka dans GTA. Quand c'est le feu de la... le feu d'artifice là. T'es mort. Oh, je t'avais prévenu quand même. Toujours m'écouter la vie, dans la vie. J'ai jamais de bêtises de quoi. Tu s'effondres par terre. En plus ils viennent à moi. Ah, toi t'as pas eu le temps de tirer dessus. Je te tire dessus en plus, tu meurs pas. Oh, on se détend là. Enfoiré. Ils m'ont démonté. Les têtes. Bon ben, je lance une grenade les gars. Je sais pas pourquoi. Et j'ai l'impression qu'il y a encore un mec. C'est sûr, dès qu'on tire, dès qu'on se tire dessus, en fait l'arme elle bouge, elle se lève. Donc on n'est plus sur le viseur du mec, on n'est pas sur le mec. Hop. Ça fait pratiquement les mêmes armes, ah non. Bon, bah il faut remonter les marches. Là, des poissons. On doit être en... Ouais, on est en Chine. Il y a les lanternes et tout.
Oh putain. Si on doit détruire ça, on n'est pas dans la merde. Ils ont tué des gars. On est dans la merde. Ouais, il faut récupérer des charges, on va s'amuser. Ça va être super. Merde. Ils sont tous morts. Bon bah quand il faut y aller, il faut y aller. Hein. Ah bah oui, c'est parti, on va aller chercher les charges avant de se faire défoncer. En plus, c'est toujours pareil. Je vais récupérer les charges. Couvrez-moi. T'es sûr de toi, Will? Ouais, je peux le faire. Ok. Mitchell, tu vas avec Irons. Prenez ce véhicule, on vous couvre. C'est parti. Cible un deal sur la corniche. Contacte la couleur. Allez, c'est reparti. Plus on s'entend tirer de partout comme des lapins. On entend se faire tirer dessus comme des lapins plutôt. Le mec il a rien compris, il est mort direct. Aïe, putain je me fais tirer dessus. Wow, on se détend l'anus là-haut. Cadeau. Crève. Bim, t'es mort. Où? On peut pas monter, c'est dommage. Comment il s'appelle? Merde, je sais plus le nom. Un lance-grenade. Attends, moi je m'amuse avec lance-grenade. Hein. Putain, c'est stylé comme lance-grenade. C'est comme la grenade qu'on lance de... comme on a fait tout à l'heure. Au début. Hop, toi t'es mort. Je vais éviter trop de parler. Oui, bah demain tu peux où sont tes charges. Oh là là. Mais où les charges? Là? Will, ah c'est ça. Le lance-missile a un sacré blindage. Tu vas devoir trouver une trappe d'accès et poser les charges à l'intérieur. Ok, on va détruire le vaisseau, c'est cool, j'arrive. Attendez-moi. On va tout faire péter. Ouais bah moi je pourrais mourir. Oh l'autre il est en train de ramper dans la flotte. Il est en train de se lever avant de mourir. Attends, je pourrais mourir. Je suis seul. On est touché. Changement de position. Cormac, on se fait allumer par le lance-missile. Quelle est la situation? L'équipe de démolition s'est fait tuer. Un lance-missile, carrément. Mais non, c'est vrai, c'est pas la bonne grenade. Putain, je me fais tirer dessus comme un lapin. Et voilà. Je suis mort, j'en ai marre. Will, ce lance-missile a un sacré blindage.
Bon, on va faire comme on a fait au début. On va se taire pendant ce temps, puis on va plus parler. Non, après, je vais encore mourir comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, je vais me tais. J'y prends. Ce lance-missile a un sacré blindage. Tu vas devoir trouver une trappe d'accès et poser les charges à l'intérieur. Bien reçu. Mitchell, suis-moi. Ici Defender 2-3, on vient vous aider. Ne sois pas mort pour rien. 2-3, on change de cible. On est touché. Changement de position. On se fait allumer par le lance-missile. Quelle est la situation? L'équipe de démolition s'est fait tuer. On va essayer de finir la mission à leur place. Bon, c'est bon, on va placer la charge. Si j'arrive à tuer eux. Et on va placer la charge après. Voilà, je suis passé. On fait gaffe un peu. Je regarde un peu partout, on sait jamais s'il n'y avait pas un con planqué. Bon, ça a l'air faire. Voilà. On est arrivé à l'endroit qu'il faut les faire. Donne la charge. Wow. Merde, j'ai le bras cassé. Je peux plus bouger. Merde, t'occupe pas de ce chrono. On réessaie. Tire. On va décoller. Dégage de là, vite. Bah oui, là on est en train de décoller, mon pote. On a plus le temps. On va mourir. T'en fais pas. On se reverra un de ces quatre. Mais t'es mort. Wow. Ouh, j'ai un truc qui tombe sur le bras. Ouais, il m'a coupé le bras. Je pense. On va te sortir de là. Ouais, et j'ai le bras coupé. Bon, au moins comme ça c'est fait. Bon, ma mission terminée pour l'instant. On va continuer. On va pas s'arrêter. Là, on peut modifier l'armure. Ouais, un tac. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est pas grave, je modifie un peu l'arrache. Au bout de deux jours de combat acharné, les Marines américains sont parvenus à repousser les forces nord-coréennes de Séoul. Avec l'arrivée prochaine d'une autre... Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous passer? Bon bah je laisse la petite vidéo pour le moment. Oh il y a tous les... Oh. Ah c'est tous les militaires meurent. Et ouais, c'est une triste nouvelle. Mais la mort nous rattrape tous. Un jour ou l'autre. Quand
on perd plus de 6000 hommes en à peine 4 heures, la mort de l'un d'eux n'est plus qu'un numéro parmi d'autres. Mais l'un de ces numéros était mon meilleur ami, et une partie de moi aurait préféré mourir à sa place. Les morts, ils ont réglé leurs dettes. C'est aux vivants de payer la note. Il est temps de faire nos adieux au soldat William Robert Irons, que j'ai eu le privilège et l'honneur d'avoir sous mon commandement. L'importance d'une vie se mesure à l'impact qu'elle a sur celle des autres. Sous cet aspect, le soldat Irons était parmi les meilleurs. Il laisse une famille, des amis, des Marines, et une nation redevable. Ah, nous voilà à l'enterrement. Ah, c'est vraiment stylé. C'est vraiment fun dans un jeu de guerre, enfin l'enterrement, je crois. Vraiment bien fait. Rien à dire. Appuyez sur A pour présenter vos images. Là, c'est celui qui a perdu son bras, c'est moi. Désolé, Mitchell. C'est bien il fait quand même. L'un des meilleurs. Écoute, on prend soin des nôtres. Si tu as besoin de... Sa femme, la dame, je pense. Jonathan Irons, le père de lui. Monsieur Irons. C'est pas grave. Je vous remercie, sergent. Un mini mort pour la guerre, c'est ça. Vous avez tous les deux souffert. Faut bien mourir dans la vie. C'est une regrettable tragédie, monsieur. C'est plus que regrettable, sergent. Ça n'aurait pas dû arriver. Mitchell, je vous offre une seconde chance. Monsieur Irons, Mitchell a été réformé avec ses blessures. Oui, je suis au courant, sergent. Chez Atlas, nous avons des prothèses qui ont 20 ans d'avance sur l'équipement actuel de l'armée. Will m'a dit quel soldat vous étiez. Vous méritez de vous battre pour des forces aussi efficaces que vous. Pensez-y. Je refuse que Will soit mort en vain. Sergent. Bon bah c'est reparti. Hein. Ok. Vous savez ce qu'il faut faire. C'est reparti pour un petit alors, tour. Vous savez ce qu'il faut faire cette fois. Alors en position. Bah oui. J'ai une main en robot. On va les démonter, ça je sais ce qu'il faut faire. On peut zoomer. Il y a trois mecs. Deux sur la terrasse. Correction. Trois. À toi. On va s'avancer un peu. Ah c'est un. Un fusil. Merde. Silencieux. Moi je sais, j'ai rien compris, on fait des ans à la salle. Bon, on va rentrer à la maison. Chut, couché. Et ouais, désolé. On va rentrer dans la cuisine. Oh, il m'a fait peur lui. On peut pas rentrer. Là, on peut rentrer, mais il faut attendre. Planqué. Putain mais on fait comment? On peut pas la détruire. Là il y a un truc là-bas. Fait peur lui. D'accord, il y avait encore du monde à tuer. Allez dégage. Ouah wow, grenade. Wouhou.
C'est des malades ces mecs. Et puis moi je lance une grenade. Ah, on va pousser les jaunes derrière la porte. Ah, les jaunes. C'est pas la bonne grenade, je me suis fait avoir. Voilà, en fait il fallait les tuer pour rentrer. C'est bon. On va tous les tuer. Lance une grenade de marquage. Ah oui c'est vrai, c'est LB, j'ai toujours du mal. C'est bien de travers les portes. On dirait une agrafeuse que j'ai pas une agrafeuse, ouais mais les trucs ont... Ouais c'est ça une agrafeuse pour les... Les murs. Ouais son mur. T'es en train de regarder la télé ou faire des informations. Faut pas qu'on fasse de bruit. Prépare la charge silencieuse. une charge silencieuse est rare. Oh merde, désolé, j'ai tué. J'ai tué le civil. Pas de bruit, il a dit monsieur. On fait pas de bruit. Hein. Bonjour. Allez voir de prise, pizza. Toi, faut pas que je tue. Oh, genre. Et il y a le tour de cet été. Oh, lui, il a rien compris. Oh, t'es aux chutes. Je l'ai dérangé dans les chutes. Dis, en tirant, j'ai tiré dans le. Sorry. J'ai tiré dans. En me tuant, j'ai tiré dans le mur. Bien sûr. Faut qu'on sorte de là. Par ici, bien sûr. On détecte des drones sur le patio arrière. On les laisse passer. On détecte des drones sur le patio arrière. On les laisse passer. On va se faire démonter les yeux. Doucement, on fait pas de bruit, mec. Plusieurs ennemis près de la piscine. Il y a du monde. Ah non, j'ai cru. Oui, il y a du monde. Et cet endroit-là, il me dit quelque chose. Ah, mec, les mecs, soit ils sont trop cons, soit ils voient pas. Là, j'ai la main qui a pris cher. Grenade. Je t'ai prévenu en plus. Hein. J'ai cru que j'étais tombé dans le vide, mais non. Ouais, y'a plus personne. Patrouille en approche, à terre. Patrouille en approche, à terre. Appuyez sur B pour vous allonger. Moi, ça, j'avais vu tout à l'heure. Pour s'accroupir, donc c'est pareil. Ok, je vous laisse passer. Je les laisse passer. Ça donne envie d'y tuer quand même. Ok, on bouge. Pouille un point rouge. On bouge. Allez, c'est parti, on se casse. Prophète, on approche de la route d'Axénor. Prophète, où en est l'extraction? Le transport okay. Est prévu dans le sud. On va devoir se retrancher en attendant qu'il arrive. T'es mort. Prends le jus, tire dans les jambes. Il s'est mis à danser de côté gauche. Voilà le transport. Mitchell, fais monter le président. Mitchell, fais monter le président. Mitchell, ouvre la porte. Il est trop fumé. Wow. Et merde. Fiasco. Non, me tue pas. On relance. Non. On relance. Un problème technique n'est pas une excuse. Moi, c'est quoi ça? La meilleure arme se trouve entre tes deux oreilles. Certain. La meilleure arme se trouve entre tes deux oreilles. Certain.
J'ai pas compris en fait. Ah, c'était faux. C'est son bras, monsieur. Je savais que c'était trop tôt. Ce bras a plus de valeur pour moi que ce complexe entier. Ouais, faut comprendre. Il a des progrès à faire. Continuez, c'est un très bon soldat. C'est tout de même triste de voir l'armée abandonner des hommes avec un tel potentiel. Montez, je vous fais visiter. Je pense qu'on va recommencer. En fait, j'ai pas trop compris. Bon allez, on va monter dans la voiture puis on va voir ce qu'il va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Je crois que j'ai fait un... Ouais, d'accord. Le mec qui finit dans les rochers. D'accord, c'était un décor. Docker, on emmène Mitchell au labo. Docker, prépare le simulateur pour une autre séance. Je m'en occupe, chef. Ce que vous voyez ici est l'avenir de la guerre. Atlas a la plus grande armée active de la planète, mais nous sommes parfaitement indépendants. Contrairement au gouvernement, nous ne cachons rien de nos activités. On ne vend pas de politique, on vend du pouvoir. On est dans une petite base secrète. Stylé. Ça craint juste les bruits. Wow. Délire, si on peut utiliser ça. Bon, pour l'instant, je parle pas, je laisse un peu. Je laisse un peu passer. Ce que les gouvernements mettent des décennies à accomplir. Et même à dire vrai, nous sommes souvent plus efficaces que nos employeurs. Comme mon fils l'a appris à ses dépens. Terminus, tout le monde descend. On est parti, on descend. Je sais que vous ne faites pas ça pour l'argent. Ah non, en fait, on descend pas. Bah, il me saoule, lui, vas-y, je m'en fous, je pourrais te parler. Allez, je sers. Me roule boule sur les pieds. Au revoir. Salut. Oh, la gueule du mec. On dirait une mouche. Et une gueule de mouche. Salut. Bonjour. Ah, stylé. Iron s'est pris d'affection pour toi. Va pas prendre la grosse tête. On a toujours des problèmes de vision sur les surfaces inversées. C'est mieux avec une nouvelle bobine. Bon, on va visiter un peu l'entrepôt. On a conçu deux types d'exo. On a conçu deux types d'exo. L'exo d'assaut et l'exo de spécialiste. Elles ont deux compétences. Délire, c'est trop bien. Oui, donc tu peux arrêter de parler maintenant, on a compris. Voilà. Ok, celui. Bonjour. Bonjour, Mitchell. Voyons un peu ce qui est arrivé à ce bras. Allez-y, mettez votre bras sur la table. C'est un faux bras en fait, G. Ok, d'accord. Je vais lancer quelques diagnostics. Essayez de bouger votre bras, s'il vous plaît. Utilisez pour LS pour de tester le bras. J'ai un petit réglage à faire. Une minute. Bien, recommencez. Je crois savoir d'où vient le problème. Une dernière fois, s'il vous plaît. Une dernière fois, s'il vous plaît. Là, c'est mieux, ça bouge. Voilà, c'est bon. Mais voilà, c'est bon. Mais je vous conseille de vous entraîner un peu pour vérifier pas que c'est. Je vais m'entraîner. Je pense. C'est pas moi qui décide, mais voilà. Ouais, c'est bon, on va rejoindre le Gugus là. Ouais, on va tirer. Oh, un match de boxe.
Putain, mais c'est le seul qui se fait pas défoncer. Comment ils se font défoncer? L'autre il est allongé, il a du mal à se lever. Ouais, trois sur lui. Deux plutôt. Allez, attention quand on traverse gauche, droite, c'est bon. Je regarde, c'est pas de voiture. Monsieur la mouche. Oh les armes. Sud fêteuse et tout. Wow. Wow. Ça donne envie d'avoir les armes qui sont ici. Je sais pas vous, mais moi ça me donne envie de les avoir. Là, on est au stand de tir. Ok, ça marche. On prend celui-là. Activation de l'entraînement à la visée. Début de la manche 1. D'accord, faut pas que je tire dans les bleus, je suppose. Voilà, moins 5, moins 50. C'est vraiment pas facile en fait. Merde. Et puis faut recharger. Début de la manche 2. Utilisez l'overdrive. Et merde. Ça vient chaud. Entraînement terminé. Votre score est moyen. Tu sais faire ? Oh, ta sœur. On passe aux grenades. Il faut que tu apprennes à utiliser les grenades. Ah, tu me dis j'ai un score moyen en même temps. Désolé, c'est pas facile ton truc. T'as qu'à mettre des cibles, c'est plus facile. Mais bon, mec, c'est pas ma voiture, je sais pas. Il aurait dû mettre des cibles, c'est plus facile. D'accord. J'arrive dans eh, moi je reviens pour traverser. Hein. Ah, c'est pour les grenades. Bon, prends des grenades et suis le parcours d'entraînement. Les grenades variables te permettent de changer de type de grenade en fonction de la situation. Active la console. Lance une grenade de marquage. On fait quoi? Marquage, c'est de ça. Non, c'était pas ça. Ah, attendez. Non. Voilà, c'est ça. Tiens, un train, un mur pour tout ça. Quoi? Des grenades? Merde, en fait, j'ai pas compris. Quelle cible? Y'a pas de cible. Il me dit de tirer dans les cibles, quelle cible? Je les vois pas moi les cibles. C'est pas une cible ça, c'est la distance. Bah ouais, mais c'est où tes cibles mec? Je comprends pas avec son truc. Alors soit je suis mieux ou soit je suis con.
sais pas, on va voir, il y a peut-être des trucs là-dedans, puis ils font lancer. Je rêve où j'ai vu un truc passer en fait. Ah non, ils sont là, d'accord, ils étaient là les cibles. Intelligente et vise une cible pour la guider. Un salaud. Bon, faut que je tire dans la cible qui est là-haut. C'est vraiment pas facile, est-ce que je veux l'avoir? Pour l'instant, je l'ai pas. Putain, j'arrive pas à l'avoir la cible. C'est vraiment chaud. Putain, j'ai pas de chance. Il faut juste la cible là, allez. Ah. Ah voilà, c'était de... une grenade intelligente. Si tu veux vraiment te mettre à l'épreuve. Grenade intelligente. Merde, j'ai des drones. Maintenant j'ai compris, je sais où sont les cibles. Je sais pas s'ils meurent. Putain, c'est le bordel. Mais j'en ai deux. Ah, encore un score moyen, comme tout à l'heure. En même temps, je peux pas... c'est vraiment pas compliqué. Ah, j'étais en dessous sur le tableau. J'ai vu mon nom, Michel. C'est pas grave. Bien, on va refaire une séance de simulateur. Bon allez, c'est parti. Je pense que c'est pas fini. On va continuer. Un cran des armes. Obligé, je prends le fusil à nuit que je viens de voir. Fais gaffe, Iron c'est là pour observer. C'est moi qui mène. Voilà, le pont de fusil à nuit. Oh hier. Bah je logique les qu'on monte, on va pas descendre en même temps mec. On est en train de monter, ça se voit. On monte. On va mettre le simulateur en mode assaut cette fois. Bien reçu. Tout est prêt. Ah, on recommence comme tout à l'heure, c'est une simulation en fait. Mode assaut. Démarrage de la simulation dans 3, 2. Bon bah je vais pas parler pendant ça parce qu'on sait qu'est-ce qu'il faut faire, on l'a fait tout à l'heure. Je crois que c'est le même truc. Ah non, c'est pas le même, j'ai un dit. Voilà, ça aurait pu. Hein. T'es mort. Moi je crois que c'est le même truc de tout à l'heure, fallait chercher le président. On recommence tout pratiquement au début. Atlas 01, on suit le président. Salon télé, L Sud. C'est un entraînement en fait. Et si on fait ça tout le temps pendant le jeu, c'est pas marrant. Genre je tire à côté de mes qui meurt. Mais bon c'est un jeu hein. Y'a plus personne. C'est un peu qu'on va avancer.
C'est bon, on continue. Choisissez un point d'entrée. On se retrouve au salon télé. Ah, c'est ça, faut qu'on choisisse une entrée. Bonjour. Ah, c'est le salon de tout à l'heure. En fait, il est vraiment pas bien le pompe. C'est un peu de la crotte le pompe, le fusil pompe. C'est bon, on continue. Choisissez un point d'entrée. On se retrouve au salon télé. Bonjour. Livraison de pizza. Voilà, ça c'est fait. Oh l'autre. Ah, là faut que je regarde les chambres, mais tout à l'heure on regardait pas les chambres. Oh le méchant point qui s'est pris dans la gueule. Mime. Ah, c'est le même que tout à l'heure. Putain, j'ai plus de bol. Ouais. Oh, je viens de... Ah non, je croyais que j'allais démonter la gueule, mais non, c'est lui qui m'a démonté. Bon, bah... On est reparti. Bon. Mitchell, va au salon télé. Ouais, j'arrive, t'inquiète pas. Salut les copains. Faut pas que je le tue. Ah merde, j'ai tué le président, fait chier. Bon bah on recommence à la force, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Hein. Ah voilà, c'est mieux un peu pour éviter que je tue le président. Je garde quand même le bon... Ah, un ordinateur. 1 sur 45, c'est con qu'on veut pas aller dans la douche. Mais bon, c'est comme ça. La police, elle a volé. MDR. Impossible dans la cul. Ça demain il y a un mec qui sort. Je sais pas si il sort toujours. Lui tout à l'heure j'avais tiré dans la tête l'autre. Ah, ça demain il y a personne. C'est bon, c'est bon. Moi c'est ça, c'est comme tout à l'heure. On vient vous sauver. Il me faut votre code d'identification. Alpha Zulu Tango. Oui, c'est juste en entraînement en fait. On y va. Merci pour des armes mon poteau. Une importante force d'intervention rapide se dirige vers vous. Bien reçu, prophète. Bon bah voilà. Des drones, utilisez vos IEM. Là tout à l'heure, là on se tirait sur les drones, mais tout à l'heure on se faisait pas tirer. Si vous vous rappelez bien, au début, au milieu de la vidéo à peu près. C'est le même endroit où j'ai dit ouais, ça me dit quelque chose. Et j'ai dit personne. Ah là c'est marrant. Là ça va être mieux. Faut que j'utilise un drone. Tout à l'heure on l'avait passé. J'étais au milieu de la centre, je me rappelle. On recommence un peu tout. Et ils ont fait de faire ça toujours tous les parties, on est pas la merde. Bon bah. Ah non, c'est moi qui ai fait une. Désolé, j'ai fait une petite pause. J'arrive pour fait chercher comment on faut faire pour quitter et on fait CB. Oui, il en reste un mais il est facile à tuer, voilà il est mort. Secteur nettoyé, on continue. Ouais, ça tu l'as dit, secteur nettoyé.
Là, mais dans le même endroit. Prophète, on approche de la route d'Axenor. Besoin d'une extraction immédiate. Bien sûr, Alpha 01. Extraction en approche. Mais oui, il faut pas se rater. Tout à l'heure, on s'est raté. C'est pour ça. Fais monter le président. Et te rase avec la main. Bon, bah voilà. Au moins, ça s'est fait. Au moins ça s'est fait, hop là. Et on est tranquille. Bon bah on arrive à la fin de cette vidéo. Je suppose. On va pas se faire découper par les hélices. Si ça vous a plu, laissez un like, abonnez-vous, partagez. Bon, c'est ça, je pense on arrive à la fin. Pas du jeu, mais de la vidéo. Et bah je ferai la suite très rapidement. Et je vais essayer de retrouver une carte, acheter une carte pour jouer avec vous en ligne. Donc bah portez-vous bien, si ça vous a plu, likez, abonnez, partagez. Et puis c'est tout, salut, portez-vous bien. Salut.